Aujourd'hui, le live est un peu spécial. On part sur Animal Crossing. On est à la troisième journée sur mon Animal Crossing personnellement. J'ai envie de me relever un défi. On va économiser jusqu'à 1 million de clochettes. Ça veut dire que j'en ai pour au moins jusqu'à 3h du matin. Alors juste avant de commencer, on va apporter un cadre au défi parce que justement, là, on vient de commencer le live et il est 20h. Et on sait qu'à partir de 22h, le magasin qui rachète tes stuff, donc Melly et Melo, ferme. Et en fait, quand le magasin est fermé, le seul moyen de se faire des thunes à partir de 22h, c'est de laisser ton stuff à l'intérieur de la boîte aux lettres de Melly et Melo. Le seul problème, c'est que la boîte aux lettres reprend beaucoup moins cher ton stuff que si c'était Melly et Melo qui te le rachetait directement. Et c'est pourquoi, pour ce challenge, on va s'autoriser à reset le temps de la Switch avant 22h, comme ça on peut vendre nos affaires plein pot. Mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour cheat, on n'est pas là pour time skip et avancer dans l'histoire. Non, non, là aujourd'hui, le but de ce défi, c'est vraiment tout simplement d'avoir 1 million de clochettes. À quoi ça sert? Je sais pas, je sais même pas pourquoi je fais ça, c'est le confinement, laissez-moi tranquille. Regardez un petit peu comment il est beau là, comment il est beau! Avec son petit t-shirt 1 là. C'est quoi le but du jeu? C'est de rembourser ton prêt. Tu as acheté une maison à 300 000 balles et ton but c'est de rembourser ton prêt. Tant que tu n'as pas remboursé ton prêt, tu ne peux pas avancer dans l'histoire. C'est comme dans la vraie vie en fait. On a actuellement 110 000 je crois. Non, on a 130 000, ça veut dire que d'ici la fin de la soirée, il faut qu'on ait récolté 870 000 clochettes. Je vais douiller en fait le challenge 1 million là, putain, qu'est-ce que j'ai déconné hein. Alors pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois sur mon stream Animal Crossing, faut que vous sachiez quelque chose. Dans le domaine, on m'appelle le maître pêcheur. Pourquoi? Déjà parce que mon île, c'est n'importe quoi. Il y a de ces poissons, mon gars. Il y a des requins marteaux, des requins baleines, des requins blancs. Il y a que ça. Et aussi parce que j'ai une méthode très particulière pour pêcher. Là, par exemple, tu vois, je lance ma canne à pêche. Hop, je ferme les yeux et je fais au son. Et ça, c'est ce qu'on appelle le hack. En fait, je pars du principe que si jamais c'est un poisson chaud, genre un requin, tu vois, quand tu vois l'aileron dépasser, t'auras là tellement la pression, en fait, que si tu utilises tes yeux, il va réussir à te bait, tu vois. Et en fait, c'est limite mieux de fermer les yeux et juste d'écouter au son. Comment s'appelle ton île? Singapour. Parce que j'ai postulé en échange là-bas et qu'on m'a refusé. Du coup, j'ai pris le seum et j'ai appelé mon île Singapour. Merci de remuer le couteau dans la plaie, les gars, ça fait plaisir. Je vais donner que 2 coups de hache. Oh non, 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 non! Mais bordel de merde! Attends. Ok, vous êtes prêts ou pas? On va se retourner et on va les capturer, ok? Vous êtes prêts? 1, 2, 3! Merde! Ah merde! J'ai cru que je pouvais le faire. Ah merde! Tu as apporté beaucoup de choses cette fois. Laisse-moi juste le temps d'additionner tout ça. Je peux te racheter le tout pour 40 000 clochettes. Allez, bim! Marché conclu. Ça nous fait 200 000 boules là en tout. Voyons ce que je viens pouvoir t'offrir. Oh, je sais, un meuble. Un meuble? Je viens lui rendre son âme et il va me donner un meuble. Il va me donner un chplouk-clouk de chez Ikea. Je veux un truc cher. Je veux un truc cher. Voilà pour toi un arbre à chat. Un arbre à chat. Attends, on va aller voir tout de suite, ça vaut combien là, son putain d'arbre à chat là, con. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Le live il va se terminer à 3h du matin, je suis même pas sûr qu'à 3h du matin on aura le million. Hein. Kono Giono Giovanna Niwa Yumegaru. Nani ? Ça fait 10 000 les gars. Yes les gars ! Oh, j'en ai rien à foutre du musée, ça se vend en direct. Oh là c'est gros ça. Nice. Je vous l'ai dit, mais les 1 million, on va les avoir ce soir hein. Ah bah yes. Et c'est la fête. C'est encore 10k là. On est à 60k dans l'inventaire les gars. Ah. Je vous l'avais dit, c'est le dernier. C'est le dernier, ça fait encore 10k. La richesse les amis. On va déposer 140 000 moules là. Ça veut dire qu'on est déjà à 300 000 les gars. Stop, je t'achète arowana et tortue et ruban bleu pour 100 000 clochettes. C'est vrai ce mensonge? On part en voyage d'affaires les amis. Oh là là, tout ça? Allez c'est parti, l'argent. Il a tout déposé par terre, je suis mort. C'est dommage que dans la vraie vie ce soit pas comme ça. Est-ce que ce serait pas le quatrième requin blanc de la soirée par contre? Ce serait abusé hein. Les gars, l'hémisphère sud est officiellement meilleur que l'hémisphère nord. Hein. Ce soir, je sais pas ce qui se passe, mais franchement, il est on fire, mon villageois. C'est comment? 2 d'affilée, les gars! Mais c'est incroyable! Attends, mais c'est cher, ça! Ça vaut 5000! Bon, ok, on est à 600 000 balles, les gars. Ok, les gars, plus que 400 000. Plus que 400 000 avant de réussir le challenge. Putain, mais mon dieu, mais quelle horreur! Mais attends, mais c'est une blague! Attends. Waouh, yes! C'est quoi ça à l'intérieur? Service de table? Mais moi je voulais de l'argent moi! Je m'en fiche d'un service de table! C'est comme l'autre qui m'a offert un putain d'arbre à chat là, alors que je voulais de l'argent! Est-ce qu'on va pouvoir repartir comme d'habitude d'une île avec 100k en poche? C'est ça que je me pose comme question. Oh, c'est un requin ça les gars! Oh yes! Attends, ça peut être un truc lourd là! C'est le troisième de la soirée les gars! C'est pas un requin que vous disiez? Oh les gars, il y a un autre requin! J'espère que c'est un beau bébé! Juste trop fort en fait. Je jure, ça doit être le 10e requin de la soirée. Et c'est bien parce que du coup, le requin baleine, on en a un qui va être pour le musée. Et là, on en a un pour la vente. Combien ça fait?
61 000. Je suis sûr, demain, ma copine, elle va m'appeler. Elle va faire, t'as fait quoi là, hier soir? Alors, écoute, tu vois Animal Crossing? Ouais, les gars. Plus que 93 000, les gars. Hop là. Viens chercher. Putain, merde, il m'a tourné le dos. J'espère que c'est pas un poisson de merde. Mais vraiment, il se fout de ma gueule, hein. À tous les coups, c'est un vieux poisson de merde. Enculé. Voilà, c'est dit. Là, je commence à perdre patience. Mais il me troll, les gars, je vais devenir fou. Mais attends, mais je vais frapper mon écran, là. Enfin, c'est un poisson de merde, en plus. Tuez-moi, les gars, tuez-moi. Putain, il a cassé ma canne à pêche, en plus. Ok, c'est un gros truc, ça, les gars. Let's go. S'il n'y a pas encore quelques petits requins... Oh, un autre requin, les gars, mais c'est incroyable. Les gars, je suis sur l'île de la Réunion, en fait, je suis pas à Singapour. Attendez, il faut encore rentrer l'argent dans le compte en banque, hein, avant de crier victoire. Alors dis-moi, tu me l'achètes combien? Là, c'est le moment où tu rentres l'argent dans le compte en banque et tu vois le million pop, ok? 8h30 de stream, sa mère. Il est 4h30 du matin. Go rembourser le prêt au moins. Non mais attends, gros, laisse-moi profiter de mon million. On rembourse le prêt plus tard, ok? On est officiellement millionnaire en étant pêcheur. On est à un total de 14 requins pêchés. Je vous avais dit qu'il n'y avait que ça sur mon île. Merci d'avoir suivi ce stream. N'hésitez pas à vous abonner et à venir me suivre sur Twitch. Les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Peace. I was aside from my soul.